YouTube. J'espère que vous avez la pêche, les gars, que ça roule tranquille. Bon, t'as été rejeté. T'as posé un lapin. Elle te dit que finalement elle a un petit copain. Que voilà quoi. Entre toi et elle, ça le fait pas. Tu vas devoir faire plusieurs choses. Mais de un, il faut que tu t'en battes les houilles. Tu capiches dans ta tête ou pas? Mais c'est plus facile à faire que dire je tiens à elle, je sais pas comment faire. Comprends un truc, gros. Ça arrive à tout le monde d'être rejeté. Dans la vie, t'as pas tout le temps ce que tu veux. T'as probablement montré que t'étais dans le besoin de elle. T'as probablement montré que t'étais toujours disponible pour elle. Et elle a pas apprécié ça. Essentiellement, elle a pas apprécié ta bonne intention vis-à-vis de elle. Mais moi, j'ai été rejeté, gros. La vérité. Ouais. Le mec qui te dit qu'il a jamais été rejeté par une nana, il ment. Je te donne un exemple, un jour j'étais en train de faire mes entraînements là, ok, d'accord, mes entraînements de Hulk en pleine nature, tranquille, et d'un coup il y a une nana qui apparaît, elle fait que me fixer comme ça, je regarde, je dis, qu'est-ce qu'elle me veut elle, et j'y vais, j'approche, je dis salut, ça va et tout, bien, tu viens souvent ici, bon, bonne discussion, je dis tiens prends mon nul, on se capte un de ces quatre, tranquille, je dis allez à plus, je tourne mon dos et je continue mes entraînements, zen. Le lendemain, je reçois un message. Coucou, tu vas bien? Ça s'est bien passé? T'es super entraînement, blablabla, blablabla. Mignonne et tout, rien à dire. Je réponds. Je fais, ouais, zen et tout, discussion, 2-3 textos max et tout, tranquille. Je dis, mais vas-y, viens, on se capte. Je peux pas. Aujourd'hui, j'ai piscine. Ok, tranquille. Le lendemain. Coucou, ça va? Coucou, coucou. Ouais, ça roule et toi? Bien, tranquille. Ça va, je discute un peu. Je laisse un message lu. Elle commence à essayer d'entamer d'autres discussions. Je dis, bon, allez, vas-y, je tente mon coup. C'est à l'époque, hein. Je tente mon coup. Je dis, mais vas-y, viens, t'es dispo aujourd'hui ou demain, un truc comme ça, dans ma disponibilité. Je sais pas, peut-être, je pense pas, j'ai... excuse, excuse, excuse. Égal un rejet. Qu'est-ce que j'ai fait, gros? J'en ai rien à carrer, frère. L'attitude qu'il faut dans ton esprit, c'est pas l'attitude de je vais être un to be free à essayer de gagner son attention. Oh, regarde-moi s'il te plaît, pourquoi tu m'as rejeté, à m'exposer sur les réseaux, etc., etc., pour attirer son attention. Comme les to be free qui sont là en train de danser autour d'une nana. To be free, I want to be a bolos. Oh, regarde-moi, aime-moi. Si t'agis comme ça, t'agis comme une petite fille, gros. T'agis comme une petite fille qui recherche l'attention de son papa, en l'occurrence qui recherche l'attention de sa maman. Et ça, les nanas, elles ne respectent pas. Ce qui est extrêmement attractif pour les nanas, c'est quoi? Et je vais te dire une autre histoire aussi. Et là, j'étais à la salle de sport, tranquille, zen. D'un coup, une nana mignonne. Donc à l'époque, elle me regarde comme ça, elle me fixe. Elle fait que me regarder. Je regarde un peu, tac. Je dis, vas-y, tiens. Je vais tenter mon coup, zen. Salut, ça va et tout, bien, tranquille. Ouais, comment tu t'appelles? Ouais, Mouluda. Ouais, zen. Ok, ouais. Tu viens souvent ici et tout, bien. Ouais. En train de m'endormir en même temps. Je laisse parler. Mais tiens, prends mon numéro, mon captain C4. Un jour qui passe. 3 jours qui passent. 1 semaine qui passe. Tu crois que j'étais là en train d'attendre? Non. Tellement de choses à faire, les gars. Ça, je dis, soyez occupés dans votre vie. Tellement d'autres choses à faire que j'ai pas le temps de regarder qui c'est qui m'envoie un message ou qui m'envoie pas de message. Tu m'envoies un message, t'as mieux pour toi, t'auras, c'est l'état d'esprit, les gars. Toutes les nanas te veulent. Dis-toi ça à partir de maintenant. Mais je suis pas riche, je suis pas beau, je suis pas ci, je suis pas ça. Non, elles te veulent. Point à la ligne. C'est toi le prix, c'est toi l'homme. C'est MLP. Hashtag les gars, faites péter l'hashtag. C'est MLP. C'est moi le prix. 2 semaines qui passent, rien. Je reviens à la salle de sport, je fais mes entraînements, tout ça. Et je la vois, elle commence à tourner autour de moi. Nanani, nanana, à me regarder. Je fais quoi? Je dis, tu m'as mis off. Point à la ligne, je suis plus intéressé. Point à la ligne, ouais. Essayer de me regarder comme ça, non? L'attitude qu'il faut que tu dises, c'est que j'ai perdu de l'intérêt. Possiblement, tu es dans un état bolotique ou c'est que tu n'as pas beaucoup d'opportunités. D'accord? Rien de grave. C'est pas le SEXE qui te rendra heureux, gros. Tu le dis direct. J'ai fait quoi? Nada. Ce qui est extrêmement irrésistible pour les nanas, c'est lorsque tu ne fais rien. Si tu veux gérer, entre guillemets, le rejet d'une nana, il ne faut rien faire. Trop de mecs, maintenant, ils sont dans un état émotif. Pour rien. Tu devrais être dans un état émotif. C'est pour ça, les mecs, personnellement, je cherche à m'améliorer mentalement, physiquement, financièrement, spirituellement. Comme ça, j'ai mes standards qui sont élevés. Je tolère pas des petits jeux, etc., etc. Et
j'attends peu des gens. Je répète, je garde mes standards élevés en m'améliorant jour après jour. Au moins, j'attends peu des gens. Lorsque tu as affaire avec la femme moderne, gros, il faut que tu sois pas dans une zone d'espoir, une zone d'attente, une zone de où c'est que tu recherches sa validation. Là, essentiellement, elle t'a montré de l'intérêt. Ou peut-être c'est toi qui as montré de l'intérêt en premier, mais c'est ton ego. Les mecs, comme je vous l'ai toujours dit, les gars, ton ego peut t'amener, il peut t'amener dans des chemins, dans des ravins, ton ego. Il faut que tu aies aucun ego avec les nanas. Mais c'est sans pitié, tu me dis des fois de jouer à des jeux, ouais. Pourquoi? Parce que pour moi, ça a toujours été un jeu, gros. J'ai jamais pris au sérieux toutes ces histoires de relations, etc., etc. C'est pas ça qui m'amènera le bonheur, les gars. La vérité. Le bonheur, c'est une quête interne. Lorsque toi, la nana, elle te rejette, elle laisse ton sur Insta, etc., elle te laisse un message lui, tout ça. Habituellement, c'est un jeu. Pour faire en sorte que tu lui cours après, que tu lui donnes toute cette validation bolotique. Tu ne fais nada. Moi, j'ai toujours eu l'habilité, les mecs, de quoi? De partir sans me retourner. Si une nana te rejette, ne montre pas que ça t'a affecté parce qu'elle va penser que t'es trop investi émotionnellement au début. Tu peux être investi émotionnellement dans une nana que tu connais depuis longtemps. Tu sors avec elle et tout ce tralala en plastique. D'accord? Y a pas de mal. Mais lorsque tu rencontres une nana et qu'elle voit que, parce que elle t'a rejeté, ça t'affecte, oh, pourquoi elle me veut pas? Nanana. C'est qu'elle pense que ta confiance est basée par rapport à elle. Donc tu lui donnes tout le pouvoir. Et nana, elle veut pas d'un mec vis-à-vis de qui elle a tout le pouvoir. Moi, je fais quoi? Je me taille, je tourne mon dos. Et ça prouve quoi? Ça prouve que tu peux pas me manipuler. Personne peut te manipuler, gros. La vérité, c'est-à-dire, lorsque t'es manipulable, c'est-à-dire que la nana, elle pense qu'elle a de l'influence sur toi. Elle pense que t'es son toutou, t'es son chien qui attend dans la niche, qui peut peut-être être dans une zone d'espoir, dans la friend zone, s'il faut, elle me voudra, même en rejeter, mais s'il faut, elle changera d'avis, si je lui prouve que je suis un gentil garçon. Et nana, elle veut pas d'un gentil garçon. Elle veut d'un homme masculin, décisif, cash, direct, et qui hésite pas à partir. Et qui a un esprit de quoi? Un esprit d'abondance. C'est-à-dire que si elle ne me veut pas, c'est sa perte. Merci, bye. Après, si des gens essaient d'insulter ton intelligence, c'est-à-dire te prendre pour un CON, là, tu peux jouer à des jeux. Tu peux, de temps en temps, envoyer une miette. Tiens, ah ouais, elle m'a rejeté. Je vais essayer de jouer le jeu. Comment tu peux faire? C'est très simple. Tu peux envoyer des signaux mixtes, toi aussi. Les gars, combien de fois vous faites douiller? Combien de fois une nana, comme je t'ai montré là, dans les exemples, elle t'envoie des signaux mixtes. Un coup, elle te veut, un coup, elle te veut pas. Un coup, elle te veut, un coup, elle te veut pas. Tu peux faire ça aussi. Tu peux être ce qu'on appelle passif-agressif. C'est-à-dire lorsqu'elle continue à t'envoyer des messages. Personnellement, c'est nana. La première, elle a continué à m'envoyer des messages continuellement avec des numéros différents. Jamais répondu. Simple. Ne rien faire. Si tu montres que le rejet t'a affecté, c'est mal embarqué, frère. Okay. Lorsque tu tournes ton dos, tu rebootes tout de A à Z. Tu gardes ton estime de toi. Parce que, comprenez un truc. Pourquoi il y a tant de mecs qui sont déprimés? Tant de mecs qui sont frustrés, qui disent, ouais, mais, je suis pas assez bien pour les nanas. Il faut que, si t'as pas la mâchoire, si tu mesures pas 6 mètres de haut, si t'as pas le 6 chiffres sur ton compte en banque, si t'as pas 6, je sais pas quoi, etc., etc., un 6 pack, t'auras jamais de nana, tout ça. C'est que beaucoup de gars, ils se sont fait rejeter. Donc, ils ont développé une frustration. Et ils se disent, ouais, mais c'est toutes des PUTE, nanani, nanana. Oh! Faut jamais être en colère, les gars. La vérité, même si je suis toujours allé un peu de manière forte, ok, mais c'est pour réveiller les consciences. Des fois, t'es obligé d'arriver avec de la nitroglycérine sur YouTube. Tu comprends? Et être cash. Vous comprenez, les gars? Donc, on va pas s'éterniser sur ce sujet-là, les mecs. Comprends que, bats-toi-en les houilles. Bye, merci. Ah, elle m'a rejeté. Ouais. Si elle veut revenir, peut-être que je vais lui donner une opportunité, mais c'est le cadet de mes soucis. Est-ce que c'est elle qui paye tes factures? Est-ce que c'est elle qui remplit ton frigo? Est-ce que c'est elle qui t'a mis au monde? Non? Pourquoi tu devrais... Tu lui dois quelque chose? Non, frère? Ok? Donc les gars, si une nana te rejette, le meilleur champ d'action, ça dépend si tu veux la réattirer ou si tu veux conserver ton estime. Si ton estime de toi, elle est encore basée sur la validation des nanas, tu fais nada, rien, merci, bye. Tu l'ignores, bye, ouais, c'est sympa, c'est cool, ouais, m'a rejeté, et alors? Les mecs, l'esprit d'abondance, c'est l'état naturel dans lequel tu devrais être. Les nanas, elles ont l'esprit d'abondance maintenant. C'est pour ça qu'on te dit, ouais, mais t'inquiète pas, ouais, elles vont prendre le mur à 30, 35, 40 ans.
Je vais te dire un truc, frère. Et on va rebondir sur cette seconde question, le mur pour les femmes. C'est-à-dire, essentiellement, j'avais déjà répondu. J'avais fait une réponse à Hertz, le mec, grosse dédicace à lui. Ça n'existe pas, le mur. Il n'y a aucun mur. Tu veux que je te donne un exemple maintenant qui va mettre de côté tout ça? Une nana, lorsqu'elle a 20 ans, on va dire, s'il faut, elle peut avoir, dans le monde, 10 millions d'hommes qui veulent se marier avec elle. Lorsqu'elle a 25 ans, 8 millions d'hommes. Ok? D'accord? Lorsqu'elle a 30 ans, 5 millions d'hommes. Lorsqu'elle a 35 ans, 2 millions d'hommes. Lorsqu'elle a 40 ans, 1 million d'hommes. Lorsqu'elle a 45 ans, 800 000 hommes. Lorsqu'elle a 50 ans, 500 000 hommes. Toi, lorsque tu as 20 ans, tu as 0 option. Lorsque tu as 25 ans, 1 ou 2 options. Lorsque tu as 30 ans, que tu es en place, tu es bien et tout, mentalement, tu as de l'expérience, etc., etc. Tu sais comment ça fonctionne. 20 options. Lorsque tu as 35 ans, 40 options. Tu vois ce que je te dis? Donc, il y a une balance. Et comment tu fais pour gagner? Des fois, pour gagner un jeu, il suffit de pas y participer. C'est aussi simple que ça, les mecs. Comme je t'ai dit, ne pas agir, ça te rend irrésistible. D'accord? Allez, les gars, restez connectés, les mecs. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez. Ce fut un plaisir, les gars. Ciao!